Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse, chapitre 50, à partir du verset 15. In the book of Genesis 50, verse 15. Dieu, ce mois, nous établit sur nos ennemis. God this month established us upon our enemies. J'ai connu ce qu'on appelle l'inimitié. I know what they call. Vous comprenez? J'ai connu ce qu'on appelle des ennemis. I know what they call enemies. J'ai connu ce qu'on appelle les pièges posés par ses ennemis. I know what they call trap put by his enemies. Mais Dieu m'a toujours sauvé. But God always saved me. L'une des choses qui te donnera la victoire sur tes ennemis, one c'est ton innocence. You give the victory upon le genre de cœur que tu as. The type of heart you c'est have. Ce cœur qui va définir si tu vas tomber dans le piège ou si tu seras sauvé. That mean you fall or you shall be saved. Si tu es méchant, les plans de tes ennemis vont réussir chez toi. The plan of your enemy shall mais si Dieu te trouve innocent, but if God finds you, il ne permettra point que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Nous n'avons pas des ennemis parce qu'on est méchant. We don't have enemies because we are wicked. Non. No. Le plus souvent, on a des ennemis parce qu'on est béni. The most time we have enemies because la bénédiction attire des ennemis. Blessing attracts enemies. Et pour que tu aies des ennemis, il faut qu'il y ait des hommes en qui se développe le sentiment de jalousie par rapport à ton évolution. According to your evolution, tu peux avoir un ennemi pour des choses de rien. You can have an enemy for nothing. Pour un big qu'on t'a offert. For a pen that offered to you. Pour une nouvelle mèche. Or for a new. Pour une bonne relation. Or for a good relation. Pour une nourriture que tu as mangée. Or for a food you have eaten. Pour une chaussure que tu as portée. For a shoe you have wear. Juste pour un vêtement. Just for a dress. Quelqu'un peut devenir ton ennemi à cause de la jalousie. Someone can become your enemy because of jealousy. Mais cette nuit. But tonight. Quelle que soit la raison. No matter the reason. Dieu transforme nos ennemis en marchepieds. God transforms our enemies to our walking steps. Nous allons lire ce passage. We are going to read this verse. Et c'est l'histoire d'un jeune homme. The story of a young man. Que nous connaissons tous. That we all know. Oui. Il y a même des gens ici qui connaissent ce jeune homme plus que moi. That people know that young man more than me. Oui. Genèse chapitre 50, à partir du verset 15. Sur le nom de Jésus. Quand les frères de Joseph virent. Mettons le debout, s'il vous plaît. Écoutons la parole debout. Oui. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait quoi? Tout le mal que nous lui avons fait. Qui parle? Oui, ce sont ses propres frères. His own brothers. My God. Mon Dieu. Tes vrais ennemis, c'est ceux de dedans. Your true enemies are those of inside. C'est-à-dire l'ennemi qui peut te faire mal. The enemy that can c'est celui you. Qui est avec toi dans la maison, qui t'a vu grandir ou qui a grandi avec toi. The same house. Who has grown with you? Who saw you grow? Les ennemis de dehors ne peuvent pas t'atteindre fort comme ceux qui the te connaissent, qui connaissent. Attendez, Malo de Manta Ominro, de Kumra wa Anhalo. Imaginez-vous quelqu'un qui a vos secrets. Imagine someone who has all your secrets. Et qui décide de devenir votre ennemi, vous êtes fini. And who decides to become your enemy? L'ennemi de dehors ne sait pas ce que vous mangez dedans. The outside enemy doesn't know what you eat inside. Il ne sait pas si votre lit a des travers ou pas. Know in your bed is well. Mais celui de dedans, but he of celui inside. Qui est ton frère, he does your brother. Que tu appelles ta soeur, that's who call your sister. Ton cousin, your cousin. Ta cousine, your cousin. My God. Don't you? Quand celui-là devient ton ennemi, when everyone becomes your enemy, tes vrais secrets sont en danger. Your true secrets are in danger. Oui. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père menteur. Oui. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ses frères vers eux. Eux-mêmes se prosterner devant lui. Calme-toi d'abord, ma fille. Reprends. Ses frères vinrent oui. Eux-mêmes se prosterner devant lui. On n'est déjà pas forcé. Ils sont venus eux-mêmes.
comprendre themselves. La même prophétie est sur toi au nom de Jésus. The same prophecy is upon you. Amen. Ce n'est pas puissant. Ce n'est pas ma puissance. Tes ennemis viendront eux-mêmes se prosterner devant toi bow down in front of you. À cause de l'alliance de Dieu dans ta vie. Because of the covenant of God. Le amen si ne me plaît pas du tout. This amen don't please me at all. Ce n'est pas encore un bon amen. It's not yet a better amen. Comment on peut te dire que tes ennemis viendront se prosterner volontairement eux-mêmes devant toi et tu me donnes un amen comme si tu disais Maranatha. And you give me an amen as if you were saying Maranatha. Tu donnes un amen comme si non c'était Hosanna. As if it was Hosanna. Tes ennemis viendront eux-mêmes se prosterner. On ne va pas les forcer. En fait, il y a une chose qui les a forcés. There is a thing that forced them. L'élévation dans la vie de Joseph. The upliftment in the life of Joseph. Ton élévation qui est voilà ça. Amen. L'élévation que je vois ici qui vient devant toi. See, come in front of you. Forcera tes ennemis à se prosterner devant toi. Force the enemies to bow down in front of you. Oui. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes qui? Tes serviteurs. Heba. Les gens, si je sens que vous. C'est comme si c'est le Nouveau Testament qui lit. On te dit que tes ennemis qui t'ont écrasé quand tu n'étais rien parce qu'ils pensaient être. Because they were thinking that. Puisqu'ils étaient mariés. As they were married. Ils avaient des maisons. They were having ils houses. Avaient des femmes. They were having ils avaient des enfants. They were having children. Joseph n'avait rien. Joseph had ils avaient des troupeaux. They were having Joseph n'avait rien. Joseph had ils étaient mariés. They were married. Joseph était célibataire. Joseph was a single man. Ils étaient riches. They were rich. Joseph était pauvre. Joseph was poor. Ils étaient élevés. They were up Joseph était méprisé. Joseph was et ils ont piétiné Joseph. They crushed Joseph. À cause de leur statut. Because of their statue. Mais un jour. One day. La richesse est devenue une pauvreté de la de Joseph. As in front of Joseph. Regardez, vous voyez, les hommes qui parlent à Joseph, ils ne sont pas pauvres. The men speaking to Joseph are not poor. C'est des hommes riches. But the rich men. Ils sont de la même richesse qu'ils avaient laissé Joseph, ça dit, ils avaient vendu Joseph, ils étaient riches dans leur pays, ils étaient respectés. They were rich and respected. Mais Joseph est devenu plus riche. But Joseph become more sa richesse rich. A atteint le plus haut niveau his de la richesse. Has climbed up. En sorte que la richesse de ses frères so that the riches of his brother est devenue pauvreté face à la richesse de Joseph. Has become the poverty through the riches of Joseph. Est-ce que les gens comprennent? People understand me? Ça veut dire quoi? What does that quelqu'un mean? Peut te mépriser aujourd'hui. No one can despise you today. Parce qu'il a construit un trois chambres salon. Because he built three rooms and one bathroom. Demain, tomorrow, lorsque tu vas multiplier des immeubles, you multiply your high on ne peut plus l'appeler riche où tu es. They cannot call him rich where you are. Ta richesse va transformer sa richesse en pauvreté. Yeah, which will transform his own riches to poverty. Amen. Il ne pourra plus parler. Again. Parce que tu ne pourras plus habiter le genre de maison dans lequel because il habite, mais que toi tu convoitais quand tu n'étais rien. And that you were lost when you were nothing. Est-ce que les gens comprennent? Vous voyez, je vais vous donner un exemple. I want to give you an example. Que Dieu ait pitié de moi. May the Lord have mercy upon me. Et qu'il ait pitié de ceux qui ne me connaissent pas. And may he have mercy upon those that don't know me. Je suis allé prêcher. Invité par le groupe Gédéon. Zaramiwa Anahelaï. Seigneur, je ne suis rien et je te l'ai dit avant Lord, de venir ici. I'm nothing. Tu es tout pour moi. You are all for me. Je suis allé. Non, restez debout. On n'a pas fini la lecture. Madame, relevez-vous. On va finir la lecture, vous allez vous asseoir. Moi, je vais continuer debout. Je suis allé prêcher. Invité par le groupe Gédéon à l'hôtel Hilton. I was invited. Et j'ai parlé sur l'islamologie, comment prêcher Christ aux musulmans. I spoke how to speak Jesus to the Muslims. Et quand nous avons fini, when we finished, il y a un homme de Dieu, un pasteur, there's a man of God, a pastor, qui m'a porté dans sa Mercedes 190. Carried me in his car. Il m'a porté dans sa Mercedes 190. He carried me in his car. Vous connaissez les classés, non? 190 là, les anciens modèles. Effilé comme ça là, de couleur blanche. The white color. C'est quand même un peu cogné, gratté, un peu mais couleur blanche. The white color. Quand on a
fini, il est venu me voir. Il m'a dit, prophète. Il m'a dit, non, pasteur, venez. Quand? Je n'avais pas encore commencé le ministère à l'époque. Il m'a porté dans sa voiture. He carried me in his car. Il était dans une Mercedes blanche. He was in a white car. Avec un costume blanc. With a white coat. Moi, j'avais un sarro. Le vieux sarro que j'avais depuis, je ne connaissais pas l'année où Adam avait porté ça dans le jardin d'Eden. Ça a disparu. Abraham a récupéré par Noé. Et puis par la grâce de Dieu, c'est tombé entre mes mains. Ça veut dire que tu voyais, tu voyais la vieillesse sur l'habit. You have seen the oldness of the dress. Et je suis entré dans sa Mercedes. And I entered in his car. Frère, Benzin, j'étais dans l'admiration. I was the admirer. Je touchais la voiture comme ça. I was touching the car like je this. Dis, I said, hey, papa. Et il me dit, oui, tu sais. I say, yes, you know. Je suis un homme de Dieu béni. I'm a blessed man of God. Et je suis de ceux qui doivent révolutionner les jeunes pasteurs. Nous devons être bénis. What's the revolution of the pastors? Un pasteur ne doit pas marcher à pied. Je dis, ah! Oh, Dieu! I say, hey! Yeah, I shouted. Maintenant! Et je touche. Il dit, oui, ça c'est ma voiture. It's my car. C'est, je l'ai acheté. Parce que imagine toi, tu vas dans un grand bureau, tu descends sur le Benskin, on ne peut pas t'accueillir. Mais quand tu as une Mercedes comme celle-ci, donc naturellement, c'est comme ça que je suis. Je ne jalouse pas l'avancée de quelqu'un. Si ça m'éblouit, je vais oublier ce que je suis. Je vais ouvrir les yeux comme ça, regarder. Et me connecter. Quelques années après, le Dieu des cieux a dit que mon temps était arrivé. The God of heaven said my time has arrived. Et il s'est trouvé que ma mesure de grâce était supérieure à la sienne. My measure of grace was more than himself. Parce que tu ne connais pas le demain de celui qui est à côté de toi. La vie ne nous appartient pas. The life that belongs to demain ne t'appartient pas. Tomorrow that belongs tu ne connais pas comment tu vas finir. You don't know how you finish. Tu ne sais pas ce que ton frère sera demain. A brother, il ne pouvait pas imaginer que le jeune homme qui était assis dans sa voiture, qui admirait sa voiture, qui pleurait dans sa voiture, qui chemisait dans sa voiture, portait dans sa destinée une mesure de grâce supérieure à la sienne. En fait, moi-même, je ne le savais pas. Lorsque le temps est arrivé, et que Dieu a manifesté sa grâce, and that God has manifested his grace, il a commencé à dire dans son église que je suis sorcier. He started saying in his church that I'm a witch. Que Dieu ne peut pas bénir un pasteur jusqu'à ce point. That God cannot bless a pastor on that point. Mais il a oublié. But he forgot qu'il m'avait dit dans sa voiture. That he said in his que la pauvreté est une insulte pour le ministère. That poverty is an insult for the ministry. Aujourd'hui, il est parmi ceux qui se disent mes ennemis. So this, among those are called et son église s'est divisée. Beaucoup de ses brebis sont revenus à Rema. Many sheep came to Rema. Ils lui ont dit, quand tu as dit que l'homme là est sorcier, tu l'as invité dans l'église. Il a enseigné, nous comprenons la parole. Understand il n'enseigne pas la sorcellerie. He don't see et maintenant, comme il est sorcier, nous devenons sorciers avec lui. As this is a wish, you become wish with him. Confiance en l'Éternel. Put your trust to God. Confiez-vous en l'Éternel. Surrender yourself to the Lord. Quand tu te confies en Dieu, when you put yourself to the Lord, c'est la seule façon de vaincre ton ennemi. It's the only way to overcome your enemy. Tu dois croire que demain sera. Tant que tu vis, il y a l'espoir, frère. As you live, there is hope. Ne pleure pas comme si c'était fini. Ce n'est pas fini. It is not finished. Laisse les gens se moquer de toi. C'est important. C'est important qu'on se moque de toi. C'est important que tu sois combattu. It's important for you to be fight. C'est important qu'on t'insulte. It's important for you to be c'est important que tu sois dans la misère. That you should be c'est important que tu connaisses des moments difficiles. Difficult moment. Les moments difficiles sont une école devant Dieu. The difficult une école qui te prépare pour l'élévation. A school that brings for the upliftment. Mais c'est aussi une école. There is a school. Une période. A period. Où Dieu révèle les cœurs autour de toi. When God reveals heart surrounding you. Regardez. Listen. Si Dieu te bénit vite. If God bless you fast. Tu auras beaucoup d'hypocrites autour de toi. You have much hypocrites. Dieu laisse durer tes souffrances. God needs to draw yourself. La pauvreté. The poverty. Pour que les cœurs de ceux qui disaient être tes amis. For the heart of those mais qui en réalité étaient tes ennemis intimes. Who was a que tu commences à les écouter ce qu'ils disent contre toi. That you listen to what they're saying about you. Tant que tout
tous leurs cœurs, tous leurs cœurs ne sont pas révélés, Dieu te laissera encore où tu es. God will leave you where you are. Jusqu'au dernier ennemi, the last enemy, que tu crois être ton ami intime, Dieu révélera le secret de leur cœur devant toi. Si vous voulez savoir une chose, you want to know a thing, les riches n'ont pas d'amis. The rich don't have friends. Il n'y a pas d'amitié quand on est riche. There's no friendship with a rich quand friend. Vous êtes riche, when you are rich, la plupart des gens autour de vous, the more people surround you, s'accrochent à cause de leurs intérêts personnels. Come because of their proper interests. S'il faut quelqu'un qui a un ami, you see someone who has a friend. Le pauvre peut avoir un ami, oui. The poor can have a friend, yes. Mais le riche n'a pas d'amis. But the rich don't have a friend. Vous devenez riche. Quand Dieu vous bénit, votre bénédiction soumet les cœurs. Votre bénédiction confond les gens. Les gens sont confus. People are confused. Ils ne savent pas quoi expliquer. They don't know what to explain. Comment vous, how you, qui sont jugés néant, who are judged me, vous n'avez rien, not devenu si grand, has become si riche, avait réalisé des choses que nous ne réaliserons jamais. That they will not realize. C'est parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui en enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. And is followed with no sorrow. Regardez, frère. Look at un homme de Dieu m'a invité un jour. A man of God invited me one day. Et j'ai prêché chez lui un 31 décembre 2011. It was on the 31st of December 2011. Et j'ai donné des prophéties dans son église. And I gave prophecy in his church. C'était une église du plein évangile. It was a church of the full gospel. J'ai fini, il m'a donné l'enveloppe. I finished, he gave me an envelope. Pendant deux semaines, ma vie avait changé. Really too, my life has changed. Et il m'a dit ceci. He told me this. Comme tu as fait le programme, c'était yes, puissant. You made the program, je vais organiser un programme de 12 jours pour toi. We'll organize a program of 12 years. Du 1er janvier au 12 janvier. From the 1st January to the 12th January. Tu viens prêcher et tu seras honoré à la you fin. Come and preach and you shall be honored at the end. Et donc j'ai mis mes espoirs pour le début de l'année 2012. I put my hope on the beginning of the year 2011. Deux jours, trois jours, il ne m'appelle pas. One, two, three days, don't j'appelle, il ne prend pas. I call, don't take quatre, the cinq jours. Four, five days. Six jours. Six days. J'appelle, il ne prend pas. I call, don't take the je sens que ma vie est en danger. I feel my life is in danger. Parce qu'en prêchant à la fin, il y avait quand même une petite enveloppe. Because c'est la loi et les prophètes. End, la Bible dit que celui qui fait le service à l'autel a droit à l'autel. Et tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foulera le grain. Donc j'allais prêcher, prophétiser après, j'allais aussi manger le poisson brisé. Pour mieux prophétiser après. To better prophesy after. 8 jours, il n'appelle pas. Moi-même, je suis allé là-bas chez lui. J'ai dit, c'est comment mon frère? I say, how my brother? Depuis là, j'attends le coup de pied, je t'appelle since même. Week, il m'a dit que, he told me that, comme il avait mis ma photo sur les affiches, as I put my picture, il allait mettre les affiches sur le mur des assemblées de Dieu. And put in the world the full gospel. Et comme je sors assemblée de Dieu, assemblies of God, assembly of God, comme je sors des assemblées de Dieu, as I come from the assembly of God, les assemblées de Dieu l'ont appelé. The assembly of God called pour lui dire me que je suis un faux pasteur. To tell him I'm a fake pastor. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté. So this way I stopped. Les larmes ont coulé de mes yeux dans son bureau. Tears came out of my eye in his office. On m'avait jamais donné 25 000 après un programme. 25 000 pour moi, c'était 250 000. 25,000 after the program. Je lui ai dit ceci. I told him this. D'accord, j'ai compris, merci. I've understood, thank you. Laissons tomber le programme. Leave it. Mais s'il est vrai, but if it is true, que c'est Dieu qui justifie, that is God that justifies. S'il est vrai, if it is que Dieu sonde les cœurs et les reins, that God knows the si heart, le Dieu de l'église est vivant, if the God of the church et qu'il m'a appelé vraiment, and that he has called me et true, que je l'aime véritablement, that I love him et que je ne suis pas ce qu'on dit que je suis, I'm not what you say le Dieu qui m'a appelé, qui t'a appelé, qui vous a appelé, God who called me, I me bâtira un hôtel et un pupitre dans Yaoundé. He built me an altar and a pulpit in Yaoundé. Je suis sorti, je suis parti en pleurant. I went out crying. J'étais choqué au plus haut point. I was shocked. Aujourd'hui, today, si on lui disait dans son bureau, if he told him his office, que le jeune homme, si Dieu est avec lui, that this young man God is with him, son demain est grand avec Jésus, his tomorrow is great with Jesus, il n'aurait pas commis cette erreur. He won't commit that error. Aujourd'hui, today, ils sont où? Where are they? Nous servons Dieu. We are serving. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que ma portion et ma proportion spirituelle était plus grande que la sienne. Portion was big than him. Il
qu'il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont jugé sur les événements et sur le témoignage des hommes. Mais en tant qu'homme de Dieu, ils ne se sont pas souciés d'écouter ce que Dieu leur dirait sur moi. Je préfère écouter Dieu sur toi que d'écouter les hommes sur toi. Et une autre chose, si tu veux connaître qui je suis, pardon, ne va pas demander à mes ennemis. Parce à coup, ils vont me descendre. Because they deceive me. Et ils vont me descendre. Vous voyez un peu Django. La brute et le truand et le. Voilà. Le bon, la brute et le truand. Tu vas demander. Ils sont mes ennemis. Ils vont te dire bienvenue. Tu es tombé à point nommé. You are welcome. Ils vont me descendre. Will you just finish? Tu veux savoir qui je suis? You want to ne va même pas chez mes amis. Don't go to my friend. Parce qu'à cause de leur amitié, ils pourront tronquer mon témoignage. You can trick my testimony. Si tu veux savoir qui je suis, you want to know who I am? Va vers celui qui m'a fait. Oui, il te dira la vérité sur ce que je suis. Tell you the truth about who I am. Donc vous voyez, c'est l'histoire de Joseph. The story of Joseph. La vie de Joseph m'a révolté. The life of Joseph. Le jeune homme si, c'est ce que j'appelle le serviteur muet. He was a call. Il ne parlait presque a jamais. Dumb servant. Il a parlé rarement. Has spoken rarely. Dans la Bible, il a parlé avec la femme de Potiphar. He spoke with the wife of Potiphar. Après ça, il n'a plus parlé. After he didn't speak again. Il a parlé en prison. He spoke in prison. Pour expliquer les songes. To après ça, truth. Il a encore parlé en disant pardon. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. When il n'a plus parlé. Il ne s'était jamais justifié. Joseph croyait en ce que Dieu lui avait dit. Beaucoup ne croient pas en leur prophétie. Je crois et je chéris ma prophétie. Quand tu crois en moi ou pas, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Que quelqu'un m'aime ou pas. D'ailleurs, même ce n'est pas mon temps. J'ai pas le temps pour ça. I don't have time for that. Que tu crois en moi ou pas, je m'en fous. I don't care. Je m'en fous. I don't care. Quand tu dis du bien ou du mal de moi, sincèrement, je suis occupé à accomplir ma destinée sur la terre. Le danger de la vie, c'est quoi? The danger of life is what? La Bible dit pourquoi vas-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne vas-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Le problème, même, c'est que parfois, nous avons des illusions d'optique. Optic illusions. On voit des pailles où des pailles n'existent pas. Pendant que nous avons de grosses poutres enceintes dans nos yeux. Regardez frère, j'ai appris à lutter pour ma vie. Je suis né pour accomplir un défi. I'm born to accomplish a challenge. Je vais laisser mon nom avant de mourir. I will leave my name before dying. Des millions et des milliards d'hommes sont morts sans laisser leur nom. Millions of people died. Ils sont morts et ils sont partis avec leur existence. They die and they leave their existence. Mais quelques-uns parmi les hommes ont marqué l'humanité. Has marked the humanity. On parle de Nelson Mandela. We talk about Nelson Mandela. Il est mort. He's dead. Mais il vit dans nos esprits. He lives in our spirits. Il y a des hommes qui sont morts. There are men who died. Mais ils ne sont pas morts. But they are not dead. Ils sont vivants. They are alive. Regardez. Look at le grand défi. The great challenge. Nous avons deux tombes. We have two. Quand on meurt, il est enterré dans deux endroits différents. When a man dies, buried in two places. Premier endroit, il est enterré dans les entrailles de la terre. He's buried in the womb of the earth. Deuxième endroit, il est enterré dans la mémoire des hommes. He's buried in the memory of men. Mais seuls ceux qui réussissent. But only those that succeed. Sont enterrés. Are buried. Dans le deuxième cimetière. In the second graveyard. Qui est la mémoire de l'humanité. Who is the memory of the humanity? Aussi longtemps qu'on parlera du Cameroun. As long as we talk about Cameroon. On parlera d'Amadou Ahidjo. We talk about Amadou Ahidjo. On ne peut pas effacer ça, c'est fini. We cannot wipe it, it's finished. Il est entré dans l'immortalité. He has entered the immortality. Donc, vous ne pouvez pas perdre le temps à regarder ce que les gens font sur vous. You cannot waste time to see what people do. Écoutez ce que les gens disent. Tu écoutes ça, ça te sert à quoi? You listen what je n'ai même pas besoin d'apprendre ce que mes ennemis disent sur moi. What my enemy has seen upon me. J'ai compris la vie. I understood life. Nous allons quelque part. We are going somewhere. Le plus grand juge. The more good judge. C'est le temps. Is the time. Le problème à mon âge. But qu'est-ce que tu auras fait? Age, what have you done? Voici ce que j'ai fait. This is what I've done. Toi où sont tes œuvres? Where are your works? Un homme de Dieu peut dire, toi tu es un faux prophète. A man of God can say you're a fake prophet. Il n'y a pas de problème. There's no problem. Toi qui es vrai prophète. Parce que lorsque quelqu'un dit que ça c'est un faux prophète là-bas. And someone said there's a fake prophet there. Le sous-entendu, c'est qu'il est vrai. He means it's true.
C'est pas ça. Lorsqu'un homme de Dieu dit ça, c'est un faux prophète. When a man of God says he's a fake prophet, le sous-entendu, c'est que lui, il est vrai. The understanding is that it's true. Et il vous montre, il vous éclaire sur le faux. See that he show you the truth. Je sais une chose. Le vrai est plus fort que le faux. The truth is more strong than the fake. Le vrai est plus grand que le faux. The truth is more que le vrai est plus efficace que le faux. It's more efficient than the faux. Une fausse chaussure ne met pas l'homme. Elle ne résiste pas à l'humidité. Mais une vraie chaussure, tu marches dans la boue avec elle résiste. Si un homme de Dieu est faux, if a man of God is fake, et que je suis vrai, and that I'm true, je dois montrer mes œuvres qui sont vraies. I have to show my et pas mes œuvres, je dois prouver que les siennes sont fausses. And from my work, I have to prove their own are fake. Ça veut dire quoi? What does that mean? Je prophétiserai plus que lui. I will prophesy more than him. Je montrerai le corrigé de la prophétie. And he showed the correction of prophecy. Mais si j'ai dit qu'un homme de Dieu est faux, but he is a man of God is fake. Et je ne peux pas faire ce que lui qui est faux and fait. I can't do that what we speak to. Où est le vrai en moi? Where is the true in me? Je ne peux pas dire qu'un homme de Dieu est faux. I cannot say a man of God et que je suis vrai. And that I'm je fais l'église au salon. I make a church the power. Des milliers de personnes me suivent. C'est un principe spirituel et ministériel. A spiritual principle. Jésus a dit ceci. Jesus lorsque le fils de l'homme sera élevé, when the son of man shall be il attirera à lui tous les hommes. He attracts to him all the men. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? What does he want to say? Chaque ministère où son nom est élevé, which means his name is chaque also ministère qui glorifie Christ, where they glorify Christ, attire les brebis pour qu'on leur enseigne à le glorifier davantage. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Because God honors him that honors him. Donc le problème c'est quoi? So what is the problem? Bientôt, very soon, ainsi m'a parlé le channel. God says the Lord. La contestation est sur le point de s'arrêter dans ta vie. Is stopping in your life. Les gens, il y a un temps qui est en train de venir. There's a time that's coming. On ne te demandera plus où est ton Dieu. You will not ask again where is your God. Le Dieu que tu sais là est vrai. The God you're serving. Oh, tu parles l'église depuis on ne voit pas de changement. You don't say it. Les gens verront pas seulement le changement. It's not the change, mais ils verront la gloire de Dieu sur toi. See the glory of God upon you. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says le témoignage de Dieu, the testimony of God, est plus grand que celui des hommes. It's not greater than that of man. On peut t'insulter. They can insult you. On peut te donner des noms que tu n'as pas. Give you name you don't have. Il n'y a pas de problème. There is no problem. La difficulté pour toi. The difficulties for you. L'urgence pour toi. The emergency for you. De connaître ce que Dieu dit sur toi. It's to know what God is saying upon you. Parce que le témoignage de Dieu, because the testimony of God, sur toi, upon you, va remporter la victoire sur le témoignage des hommes contre toi. We bring the victory for the testimony of men against you. Est-ce que vous suivez? We understand. Donc ce que Dieu dit sur ta vie, what God says upon your life, c'est plus important que ce que les hommes disent sur ta vie. Than what men la parole des hommes n'a aucun pouvoir devant celle de Dieu. The word of men don't have no power in front of ce que God. Dieu a dit que je suis. What God has said I am. Je le serai. I shall be. Aucun homme ne peut effacer cela. No man can wipe me. Les gens ont combattu Joseph. People fight Joseph. On a multiplié les plans. The more mais Dieu l'en a toujours délivré. God has delivered him. Avoir une grande destinée ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Tu auras des problèmes. You will have problems. Tu auras des moments difficiles. You have difficult moments. Parfois des ennemis te vaincront même. Tell your enemy overcome me. Mais la dernière bataille est à l'Éternel. But the last war is et la victoire est à toi. And the victory is your own. Toi, amen, n'est pas bon. Amen. Bon, asseyez-vous même. On veut dire rester debout pour le plaisir. Asseyez-vous, ça va. Je vais continuer. Oui. Joseph leur dit. T'as dit que si les gens, on ne peut même pas s'entendre avec eux pour faire le business. Restez debout, ils sont là assis. Asseyez-vous. Oui. Verset 19. Jésus leur dit. Et c'est la Joseph parole, leur dit. C'est la parole de Dieu. Celui qui se confie à l'homme sera confus. Je suis dans la confusion. Oui, lui, ma fille. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, oui. Quand suis-je à la place de Dieu? Oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Non, ici, lis doucement. Lis doucement, oh. Vous aviez médité de me faire du mal. Tout le monde répète. Vous m'aviez médité. Dieu l'a changé en bien. Tout le monde répète. Dieu l'a changé en bien. Ça va, ma fille. Reste là-bas. Jeram, Agu Jeram, Sora Iferam Moram.
Agouche, Agouche ram, sera mi moram. Agouche ram, sera mi moram. Sera mi moram. Agouche ram, sera mi moram. Agouche ram, sera mi moram. Vous avez médité. He says you have meditated. Le mal contre moi. War against me. Vous m'avez fait du mal. You have made me war. Que Dieu a changé votre mal en bien. But God has changed your war to good. Que Dieu change le mal de nos ennemis en bien. May the Lord change the war of our enemies to good. Le mal qu'on veut te faire. The war they want to do. Je me tiens sur l'autel du Dieu vivant. I stand upon the altar of the living God. Que Dieu change le mal de nos ennemis en bien. May the Lord change the war of our enemies to good. Que Dieu change le mal de nos ennemis en bien. May the Lord change the war of our enemies to good. Que Dieu change la prophétie en bien. May the Lord change the prophecy to good. Que la malédiction soit changée en bénédiction. May the curse be changed to blessing. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus' powerful name. Là où on médite ta chute, where que Dieu te lève. May the Lord uplift you. Là où on médite ta mort, where que Dieu te donne longue vie. May the Lord give you long life. Là où on a creusé une fosse pour toi, where Dieu a fait la somme du propriétaire de la fosse. Le malheur qu'on proclame sur toi retournera à l'expéditeur. Dieu l'a fait pour Joseph. God did that for Joseph. Aujourd'hui c'est mon tour. Today is my turn. Aujourd'hui c'est ton tour. Today is my turn. Jésus le fera. Jesus shall do it. Il fermera la bouche de nos ennemis. He closed the mouth of our enemies. Yes. Imaginez-vous. Imagine yourself. Quelqu'un devant qui tu ne peux pas parler. Someone in front of whom you cannot speak. Qui se met à genoux. He just bow down. Avant de te parler. Before speaking to you. C'est incroyable. It's unbelievable. Mais c'est vrai. Amen. Avec Jésus-Christ, c'est vrai. Amen. Dis à ton voisin, ton époque est arrivée. Tell your neighbor, your opinion has come. J'ai l'impression de perdre votre temps, je vous assure. Ici, merci, ma monsieur, paye. J'ai habité avec une maman. I lived with a woman. La femme d'un de mes pères spirituels. The wife of one of my. Elle m'a dit ceci un jour. She told me this one day. Je vais te montrer que je suis le diable. Are you sure that I'm the devil? Je vais te traiter. I will treat you. Qu'est-ce qui s'était passé? What happened? La femme de mon professeur, à l'époque, le mari, l'ex-mari à ma mère venait de la chasser à cause de Christ. She had just chased her because of Christ. Quand elle a quitté, elle a pris dans le lit, elle avait son lit, le matelas, des petites choses. She took small things. Et il fallait que je vende ça. I need to sell it. Et la femme de mon professeur voulait voir le lit. And the wife of my teacher wanted to take the quand elle est venue, je n'étais pas là. Et la femme de mon pasteur lui a fermé la porte au nez. She has closed the door. Et dans sa nature, elle était une femme désagréable. In her nature, she was unworthy. L'église en souffrait. The church was suffering. Et je me suis plaint auprès de mon père. I complained towards my father. Et lui a fait le reproche. He has quand en tant que femme de pasteur, tu dois être un modèle. You have to be a model. Quand son mari a voyagé, elle m'a dit, donc, hein, travel, say, tu peux voir le père. Je vais te montrer que je suis ministre de l'intérieur. I'm sure that I'm a minister of inside. Si tu manges encore dans la maison, si tu changes mon nom. If you eat in this house again, you change my name. Chaque matin, je devrais remplir un puits de 200 litres d'eau. I have to fill a container of 200 litres. Et j'en ai puisé l'eau sur une distance d'un kilomètre chaque jour. I was carrying water in 1 kilometer every day. Je mettais un seau sur la tête, l'autre main, je faisais la classe de terminal. Okay, I was making upper seats. Et quand je remplissais l'eau, je lavais toute la maison. I was washing all the house. Avant de sortir le matin. Before going out. Et quand je revenais, ne me donnait pas à manger. When I was coming back, I was. Je n'avais rien à manger pendant des mois. I had nothing to eat for. Donc j'avais maigri et les soucis. I've been thin. Un jour, il y avait deux tables. Donc il mangeait à table avec sa femme et sa fille et leur fille. C'était en Gaoundal. We was in Gaoundal. Et moi j'étais seul sur l'autre table, la vieille table. Alone in the old table. Un jour j'étais en train de manger, moi j'ai pris mon cahier, je lisais. I took my book, I was reading. Et je n'avais jamais demandé à manger. And I've never asked for food. Et je n'ai plus jamais parlé au père de quoi que ce soit. And I never spoke je ne lui ai pas dit ce qui se passait. I didn't tell you what. Il demande à sa femme. He asked to his wife, pourquoi Ferdinand ne mange pas? Why Ferdinand is not eating? Elle lui répond, j'ai décidé qu'il ne mangera plus la nourriture dans la maison. I decided he will not eat again the food in this house. Il n'a plus rien dit.
Il a sorti 50 francs, il m'a remis. He gave me 50 francs. Je suis sorti en courant pour aller acheter un beignet. And il y avait le beignet qui venait d'apparaître, qu'on appelait le lofombo. They were perfect, that they call je ne sais pas s'il y avait ça ici. Nous, I don't know if they le lofombo, c'était le genre de beignet que tu souhaites qu'on te lance avec, tu ramasses, tu continues la course. Asseyez-vous. Wow! J'ai acheté un lofombo. Avant d'arriver à la maison, le lofombo était fini. Ma main était propre parce que je l'avais léché. Et il n'a plus jamais demandé si j'ai mangé ou pas. He has never asked if I eat or not. À cause des soucis, je suis tombé malade. Because of sorrow, I felt sick. Je crachais le sang. I was beating blood. Palpitation de cœur, mon cœur frappait. Pam, 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 my heart was beating. J'étais au bord de la mort. I was near. Je gémissais dans la chambre seule. I was crying the room alone. Elle n'était jamais venue me demander comment tu te sens. Never came and asked me how are you feeling. La seule chose qu'elle faisait, c'était Ferdinand. L'eau est finie. She was making, she said, et je me levais, je prenais le saut sur la terre. Et je take the broken. Je puisse. Je finis, je peux tomber dans le lit. I finish, I don't fall my bed. Aujourd'hui, leur enfant n'a pas réussi. Today, the child never succeeded. C'est celui qu'elle avait considéré comme l'esclave de sa famille. She considered the slave of her family. Que Dieu a béni. That God has blessed. Ne méprisez jamais un être humain. Don't despise a human being. Même si vous pensez être en position de force. Even if you think that you're strong. Votre position de force demain pourrait être une faiblesse. Devant la force de celui qui n'a pas de force et que vous écrasez aujourd'hui. Nous ne connaissons pas de quoi demain sera fait. Ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il est célibataire et que tu es marié. Parce que peut-être à l'époque où Dieu lui donnera un mari richissime, le tien sera en train de te botter les fesses hors du mariage. Rien n'est permanent sous le soleil. Not is permanent. Une seule chose est permanente, l'alliance de Dieu what dans ta vie. Permanent, the covenant of God in your life. J'ai connu toutes les souffrances, toutes les misères. Les hommes m'ont écrasé parce qu'ils avaient le pouvoir sur moi. Because they were having power upon me. Mais la fin d'une chose, but the end fait mieux que son commencement. Is better than the beginning. La Bible dit celui qui se confiera en l'Éternel ne sera point dans la confusion. Neither through the Lord shall never dans be ce moment difficile, je passais les nuits à pleurer et à prier. J'ai jeûné jusqu'à cracher du sang. J'ai jeûné jusqu'à mes genoux ont noirci. Je disais à Dieu, s'il est possible, Père, prouve à chacun d'eux que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Is the best that et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. No sorrow for us in it. Le Dieu de Joseph est ici. The God of Joseph is here. N'aie pas peur, ne perds pas confiance en don't Dieu. Afraid. Don't let's move to God. Tu peux être avec un homme. You can be with a man. Vous connaissez la princesse d'Angleterre. Vous savez the la nouvelle. Of England. Vous savez que son mari l'a méprisé, écrasé. Parce qu'elle est africaine. Because she's an African. Insultée, fait tout. Insult, et chassée. And cheese. Finalement, elle est devenue une princesse en Angleterre. She become a princess in England. Ah, elle a épousé le prince. She married the prince. Maintenant, now, selon la loi de la royauté according to the law of anglaise, quelqu'un somewhere qui n'est pas de la famille royale ne peut pas entrer dans la royauté, premièrement. Royal family cannot enter in royalty, first of all. Deux, second, quelqu'un qui n'est pas somewhere anglais n'a pas droit à la couronne. Don't have a crown. Trois, three, un Africain. An African. On n'a jamais vu ça. I've never seen that. Mais sa destinée était écrite. But her destiny quand elle est devenue princesse. When she became a princess, son ex-mari qui l'avait botté les fesses. Her ex-husband has mais là, c'est où il vient dire que ma chérie, you come and see elle lui a dit trop tard. She said too late. L'homme qui t'insulte aujourd'hui, tu penses que c'est lui qui a ta vie en main. He has your life in his tu ne sais pas que demain Dieu veut t'établir au-dessus de lui, en sorte que c'est lui qui vient laver le sol de ta concession, de ton suplexe, etc. The crown of your house. Est-ce que vous allez cesser de croire when you cease to believe qu'un homme peut à
avoir votre vie dans sa main. That a man can have your life. Aucun homme n'a le pouvoir sur ta vie. No man has power upon you. Aucun homme n'a ta destinée dans no sa main. No man has your destiny. Aucun homme ne peut décider ce que tu seras demain. No man can decide what you shall be. Un seul peut le faire. One can do. C'est celui devant qui tu pries tous les jours. If once I will pray. S'il est vrai que tu as cru au nom du Seigneur Jésus. If you have believed the name of the Lord Jesus. Demain n'appartient pas à ton type là. Tomorrow don't belong to your man. Une jeune fille que je voulais épouser. There's a young girl I wanted to marry. Non, je ne connaissais pas encore mommy. I didn't know mommy. J'avais aimé la fille là. I loved that girl. Mais pas plus que mommy. But not more than mommy. Parce qu'elle est en train de suivre en direct. Après elle m'a dit non. After she said no. Je vais réfléchir encore parce que je ne sais pas si avec toi elle veut m'en sortir. I will see because I don't know if I will succeed. Je lui ai dit que pardon, si tu vas encore réfléchir, allez-y. I said please. Pas réfléchir, moi je suis plus dedans. You want to think go and think, I'm not inside again. Aujourd'hui. Today. Oh. Si je savais. If I tu savais. You know, tu saveras. You will know. Ou bien tu savras. C'est ça le problème avec beaucoup de personnes. Il y a des femmes. Dieu te donne le mari de ta vie. God give you a husband of your life. Mais parce qu'il est encore à l'état brut. But because it's in a avec raw pas trouvé. Toi aussi aveuglé par le goût du gain. You are blind by the par le goût de la réussite là 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 et maintenant. By the gain of something there. Tu le rejettes. Il est maître de 2 milliardaires. So no, tu peux épouser quelqu'un qui travaillait. Après deux ans, le licencie de son lieu de travail. Tu dis, hey, I don't die, you don't die, die through, through. Je suis mort, tu es mort, forever. Finish. Tu es fini. Les longs yeux. Long eyes. Tous ceux qui ont les longs yeux à la fin sont dans la confusion. All those that have long eyes are in confusion. On ne sert pas Dieu en marchant par la vue. They don't serve God walking. Quand tu as Dieu, Dieu te montrera son secret. When you have God, God will show you. Il te dira que l'homme que tu vois ici, the man you see, signe ta mort ici, parce que son demain sera glorieux. Because tomorrow shall be glorious. Amen. Quand j'ai connu ma femme, when I knew my wife, personne ne peut l'insulter. No one can insult her. Où je suis? Where I am. Tu vas passer par où? Where will you pass? Ma blanche, ça va? C'est toi mon ami même ici. Ce soir je n'ai pas deux amis, toi seul est mon ami. Alléluia. Donc, quand elle m'a vu, when she saw me, j'étais maigrichon. I was very thin. J'étais l'incarnation de la pauvreté et de la misère. Incarnation of poverty and misery. J'avais un aspect morbide. I was having a bad aspect. Fantomique. I was a ghost. Squelettique. I was a skeleton. Fantasmagorique. Mortuaire. Funéraire, funèbre. Mon aspect uxérilocal était lugubre. J'étais un peu le petit frère de la laideur. I was a small brother of ugliness. Mais elle m'a aimé comme ça. Moi, mais c'était demandé que la belle fille aime pas sur moi. This. Well, this c'était une femme visionnaire. It was a visionary. Elle ne m'avait pas vu comme les hommes me voyaient. She never saw me like others. D'autres femmes m'insultaient. Other girl was insulting me. Elle. Hey. Elle avait vu loin. She saw far. Elle a saigné. She elle saw. M'a assisté. She has assisted me. Quand je lui demande parfois, je dis, toi, tu avais vu quoi sur moi? What are you elle me dit, je croyais au Dieu. She said. Que tu m'enseignais et je croyais and que ces promesses s'accompliraient. And I believe his promise shall get fulfilled. Avant elle, before her, j'avais aimé une femme. I loved a girl. À qui j'avais dit Dieu me bénirait. To whom I said God will bless. Un jour je serai béni. One day I will be blessed. Un jour elle m'a dit que. One day she said. Pardon, qui l'avait les histoires de je serai béni. Go without a thing that I will be blessed. Je serai béni. Le temps passe, tu seras béni. The time just passes. When will you be blessed? Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Imagine, regarde-moi quelqu'un. C'est nous comme si c'est là, je serais, c'est devenu la chanson. It has become a song. Elle m'a dit l'argent c'est le pouvoir, monsieur. She told me money is the power. No money, no love. Sans argent, sans amour. Mommy m'a dit no money, love and a go-go. Mommy said sans argent, l'amour en abondance. L'autre soeur, elle m'a insulté. Elle m'a dit un misérable comme ça. She said, a miserable man like this. Jérémie,
Alors, un jour, on est allé dans sa famille. When we went to see our family, j'étais engagé. I was engaged. Sa grande soeur lui a dit. Her elder sister told her. Elle m'a dit, comme tu vois quelqu'un que tu veux épouser, il te dit ok. Alors je vais te présenter ma grande soeur. On s'entend bien. J'arrive, Njuksa. Sa grande soeur a dit à sa grande soeur, voici l'homme que j'aime et this man I love. On va se marier certainement. I'm going to marry certainly. Et dans ma pauvreté, je m'étais battu pour faire un paquet. Vous savez, le genre de paquet que c'est toute votre vie. Ça sent votre sang. Ça sent votre sueur. Vous avez travaillé pour faire un paquet. Quand on évalue le paquet, c'est 2500. Mais les 2500 là, pour vous, c'est comme 2 millions et demi. Sa grande soeur lui dit, c'est celui-ci que tu veux épouser. Is he you want to get married? Amant a dit aux enfants, sécurisez-moi ce qu'il a porté. Mettez ça au coin de la cuisine là-bas. Poussez ça bien au coin. Ne mettez pas où les souris passent souvent là. Mettez ça hors portée. Et elle revient maintenant sur mon sujet, sur mon dossier. Elle demande à sa soeur que de celui que tu veux épouser. You want to get married. Elle dit un chien comme ça. See, devant moi. A dog like this. Un chien, ce chien-ci. This dog. Elle dit à sa petite soeur que tu sais que c'est toi l'espoir de la famille. J'étais comme ça que, hein, you maman. The hope of... Moi, je savais qu'on fait souvent ça après. C'est-à-dire que quand je sortirai. Elle va appeler sa soeur dans la chambre et elle va faire ça. Elle s'est dit que non, toi-même, on te respecte, moi quoi. Reste, je vais faire ça devant toi. Et elle dit à sa soeur, celui-ci, this one, yeah, hey. Tu l'épouses tous les jours sur la tête d'une bunga que vous allez manger. Every day is il va te bombarder les enfants dans le ventre. Il n'aura pas le moyen de les envoyer à l'école. Ta vie est finie. Your life is finished. Mais souviens-toi du docteur. But remember the doctor. Avec lui, ta vie va donner. Ou alors tu te souviens du Gabonais. Oh, you remember the Gabonais. Lui, il a le moyen. Mais celui-ci. Et tu dois savoir que tu es l'espoir de la famille, le dernier marché de la famille. You are the last tu es la plus belle de la famille. You are the beautiful girl of the family. So, ne tente même pas ça. Don't try that. My God. Won't je me suis levé, j'ai dit que je rentre. I still say I'm going home. On a voulu m'arrêter, je ne dors pas ici aujourd'hui, je suis parti. You hold me and say, we don't sleep here, we go. Un jour, la jeune dame me dit, told me, je me suis rendu parce qu'ils avaient une maison, deux chambres et demi. A house of two rooms. Deux chambres et demi, salon, toilette. Donc, quand je dis deux chambres et demi, ça veut dire que la troisième, c'était petit, ça veut dire que c'était un petit magasin. Donc, elle me dit un jour, ok. All right. J'ai découvert que tu es venu m'aimer par intérêt. That you come to love me by interest. J'ai dit que a vu nous. J'ai parlé de pas toi. I spoke in the day. Elle me dit que tu es venu parce que tu calcules you la maison. You want the house. Parce que tu sais qu'en m'épousant, tu because deviendras aussi héritier. You become a heir. Ça m'a fait comme si c'est le tai chi, comme appelle le coup de poing du tai chi. It seemed as if that struck me. J'ai vu les étoiles. I saw stars. J'ai eu mal. I feel pain. Je lui ai dit, c'est sérieux ce que tu dis là. Je suis très sérieux, j'ai jamais été aussi sérieux. You say it is serious. Je lui ai dit, tu viens de planter une épée dans mon cœur. I say you just plant a battery in my heart. Quelle maison? Which house? Aujourd'hui où je vous parle, ils n'ont today pas when I'm speaking. Ne méprise pas l'homme dit pauvre. Ne maltraite pas l'enfant de trouver qui habite don't chez toi. Child stay in your house. Parce que c'est possible que demain tes propres because enfants te maudissent. Et que ce soit l'enfant étranger that qui était dans ta maison et te mette au large. That puts you high. Maltraiter l'enfant d'autrui, c'est une folie. Ma mère était mariée. My mother was married. Son mari, quoi qu'il se soit séparé, c'était le problème. C'était le christianisme d'Islam. Un bon de religion. Mais cet homme that man me respectait. Was respecting cet homme
m'honorait tel qu'on ne m'a jamais honoré. Dans le peu qu'il avait, il se rassurait de donner une contribution pour moi. Jusqu'aujourd'hui. Un jour, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tonton? Il m'a dit, je vais ouvrir la pharmacie. J'ai demandé le budget. Il m'a dit, je lui ai donné l'argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas arriver à Tibati sans arriver chez lui et lui laisser une enveloppe. S'il me pose un problème, je résolverai le problème. Pourquoi? Why? Parce qu'il ne m'a pas méprisé au jour du mal. Because it didn't despise me. Tu ne sais pas comment demain sera. You don't know how tomorrow will be. La vie est bizarre. The life is a type. Tu peux te voir aujourd'hui, tu es belle. You can see tu marches comme ça. Quand on vérifie bien même, on trouve que tes 60 cm, ça ne touchait pas le sol. On va dire, hey, que dans la vie, ça ne touchait pas le sol. Demain, n'avait ces méchantes étapes. To be a high blood pressure catch, you walk. You walk like this. Les hommes qui t'appellent chérie, toi tu vas lui. Il va fuir jusqu'à avoir l'entorse, l'os cassé, mais il fuit avec le pied, avec l'os cassé. Il dit, c'est à quoi qu'il s'agit. Ma belle-sœur m'a raconté une histoire un jour. My sister-in-law encountered me story one day. Il y a une grande autorité de ce pays qui l'aimait. The authority of the country lover. Et elle dit que quand elle arrivait, le monsieur lui disait, ouvre la mallette, prends ce que tu veux. The man was saying, open the bag and take what you want. Un jour, elle voit le monsieur en route. She saw the man on the road. Le monsieur dit, Mireille, viens. The man said, Mireille. Non, ma belle-sœur, excuse-moi, c'est le témoignage. Elle a pas causé, elle a pas su. C'est moi, Mireille. Elle dit que vous, pardon, que quoi? Elle dit qu'elle a fui jusqu'à sa part est venue. Donc tu ne sais pas comment demain sera. L'humilité, c'est la sagesse. Aimer les autres, c'est la sagesse. Faire du bien aux autres, c'est la sagesse. Respecter les autres, c'est la sagesse. Respecter others is the wisdom. J'ai fini avec ceci. I finish with Jésus this. Nous a parlé de l'économe infidèle. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Jésus dit que cet homme était prévoyant. Et il va conclure en disant ceci. Les enfants de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les enfants du royaume. Prudent en hébreu, en grec ici veut dire prévoyant. Il prévoit l'avenir. L'économe infidèle travaillait pour son patron. Et quand quelqu'un devait 100 000 au patron, il lui faisait une facture de 80 000. Il paye 80 000, le reste là, je vais justifier ça. Et il faisait comme ça à beaucoup de gens. Finalement, le jour où son patron s'est rendu compte de la fraude et l'a chassé, ceux à qui il avait fait du bien l'ont récupéré, il n'a pas chômé. Un bienfait n'est jamais oublié. Un bienfait. A good work n'est jamais perdu. It's never lost. La Bible dit ceci. The Bible says, jette ton pain à la surface des eaux. Throw your bread on the surface of water. Il dit avec le temps. It says with time. Tu le retrouveras. You find it. L'eau n'a pas besoin de pain. Water don't eat l'eau bread. L'eau ne mange pas de pain. Water don't eat bread. Mais quand tu jettes l'eau, tu jettes ton pain. But when you throw your bread sur les vagues de l'eau. Upon the waves of water. C'est pas le pain de l'eau, c'est ton propre pain. Tu l'as prêté, mais il te reviendra. La vague partira. The wave will go. En pleine mer. Mais elle reviendra. But it will come mais ce pain ne sera plus sec comme il était. But that il sera gonflé par l'eau. Full water. Ce que tu fais aux gens, what you do to people, tu récolteras ça en bien ou en mal. You harvest it in good or si bad. Tu es méchant envers les gens, if you are wicked with you, demain, tomorrow, quand ils seront déçus de toi, when they shall be deceived, toi tu auras honte de passer où ils sont. You'll be ashamed to pass. Tu auras un problème que c'est le monsieur ce qui peut mériter, mais à cause d'une mauvaise action que tu lui avais faite, because of the bad action you did him, tu rates un travail, une bénédiction, ton dossier est fini, ta vie se complique, your life get complicated, parce que tu avais fait du mal because à cette personne quand il n'était pas. To that person when it was not more. Mais si tu avais fait du bien, but if you lorsqu'elle te verra, eh maman. Hey, laissez la mère avant. Elle te servira. Mother, ton dossier passera. You are le bien que tu fais te rattrapera. The good le mal que tu fais
te rattrapera. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas se fatiguer de faire du bien. Le frère de Joseph, leur conscience les juge parce qu'ils ont mal agi. Heureusement, Joseph n'était pas un homme rancunier. Tu peux taper un enfant, tu le maltraites, autant demain c'est le président, ton président de la République, ton futur président de la République que tu maltraites. That's why I'm treating like that. Et s'il est rancunier, il devrait pas le travail à tes enfants. He will not give a job to your children. Parce que le mal que tu fais aux enfants d'autrui retombera sur tes enfants. The way you make the other children will fall upon. Et le bien que tu fais aux enfants d'autrui retombera sur tes enfants. You make for other children will fall upon. J'ai compris ces choses. I understood those things. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école quand j'ai des enfants à la maison qui ne fréquentent pas, non. Un jour j'ai dit chez moi que si les enfants qui habitent dans cette maison n'ont pas la nourriture au même titre que moi, ne me servent plus à manger. Don't have food like me, don't serve food. Parce que je connais les lois de la vie. Because I know the laws of life. Quand un être humain est sous ta responsabilité, honore-le. It's under your responsibility. Tu n'as pas besoin de liens de parenté. You don't need to be. La Bible dit que celui qui prête aux pauvres prête à celui qui l'a créé. Tout ce que tu fais de bien te retournera ou retournera à tes enfants un jour. À cause d'un bien que tu fais aujourd'hui, dans 10 ans, Dieu peut te délivrer d'une situation en souvenance et en souvenir du bien que tu avais fait à quelqu'un. With a good job done to someone. Quand tu as 500, when you have 500 friends, donne à celui qui n'a pas, même si c'est 50. To who don't have, even quand tu as un peu de nourriture, when you have a business, pense à un voisin qui n'a pas. Think to a neighbor that don't have. C'est ta richesse que tu amasses devant le Dieu des cieux. Your riches are gathering in front of the God of heaven. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.